הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים המתים שמדורנו, לכל הצדיקים המתים שאוכלנו רפאו, כל רבנו הקדוש צדיק יסוד, עולם נחנו ומקור חוכמה רבנו רבי נחמן נפגי ושמחה, נח נחמן, נחמן מאומן, זכותו יגן עלינו בכל ישראל, אמן. ערב טוב, ערב טוב, בעזרת השם, סייעתא דשמיא, on a relocalisé en dernière minute ce soir, ברוך השם, on est donc ensemble pour pouvoir partager la Torah de Rabbi Nachman de Breslev en préparation, comme on le fait chaque année, de la fête de Pessah. C'est une fête qui est extrêmement importante, comme toutes les grandes fêtes, mais c'est une fête qui est centrale dans le peuple d'Israël. C'est une fête qu'on va rappeler tout le temps dans le peuple d'Israël, parce que c'est le début de la construction du peuple d'Israël en tant que peuple, puisque le peuple d'Israël va commencer à sortir. Dites-moi si le son est bon, parce que on n'a pas mis le micro aujourd'hui, alors on a vu la relocalisation, mais Bezrat Hashem, j'espère que le son est bon. Donc Bezrat Hashem, on va simplement essayer de reprendre ensemble. On va essayer de reprendre ensemble très simplement quelles sont les bases de cette fête, quelles sont les bases centrales, quelle est la lumière, comme l'exprime toujours Rabbi Nathan, quelle est la lumière, c'est-à-dire le or, la lumière qui descend dans nos âmes, qui est censée descendre dans nos âmes le jour de Pessah, et simplement on va essayer de comprendre comment se préparer au mieux à cette magnifique fête qui est donc le début de la délivrance du peuple d'Israël, puisque c'est la délivrance du peuple d'Israël qui va sortir d'Égypte, le début de cette sortie-là, et être capable, Bezrat Hashem et Seta Dishmaya, de retrouver ensemble, ça va ? Oh Hashem, de retrouver ensemble la capacité de se préparer au mieux à la fête de Pessah. Donc, la première chose à comprendre, c'est que chaque fête, comme dit Rabbi Nathan, amène une lumière particulière d'Akadosh Baruch Hu dans nos âmes. Ça veut dire qu'il y a une descente de lumière, c'est comme ça qu'il l'explique, c'est comme ça qu'il le matérialise, c'est comme ça qu'il le montre. Il y a une descente de lumière dans les âmes de tous les juifs et les juives qui existent dans le monde. Maintenant, il y a des juifs qui vont le ressentir plus, il y en a qui vont le ressentir moins. Pourquoi ? Toujours la même raison, toujours la même histoire, on a envie de dire, c'est qu'il y a des gens qui ont moins de clipotes, qui ont moins d'écorce, donc qui vont finalement se retrouver à ressentir les choses plus profondément, et il y en a qui vont récupérer parce qu'ils se sont mieux préparés et qu'ils ont des meilleurs kélim, des meilleurs réceptacles, pas des réceptacles percés, mais des vrais réceptacles capables de recevoir ce qui a besoin d'être reçu. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui malheureusement, pour différentes raisons, on va essayer de l'expliquer ce soir aussi, ne sont pas capables de recevoir le maximum de lumière qui descend de toute façon dans les âmes de chacun d'entre nous, à chaque instant, à chaque moment, qui va descendre à ce moment-là et à ce moment-là. Il y a, à chaque fête, il y a une lumière particulière. La lumière de Pessah va expliquer tout le but de Pessah. Un homme, il doit rentrer dans Pessah, il doit être capable de savoir a priori quel est le but de cette fête. Pourquoi Hachem a créé cette fête? Pourquoi est-ce que les Chachamim et Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on fête Pessah? Si c'est pas pour se commémorer, s'il y en a encore qui croient que c'est pour se commémorer il y a 3000 ans, la sortie d'Égypte, ils n'ont pas compris grand-chose à ce que c'est réellement la Torah. La Torah n'est pas un livre d'histoire, elle n'est pas là pour commémorer des choses, elle est là pour faire vivre à la génération qui est en train de vivre l'événement, cet événement-là. Quel est exactement l'événement de la fête de Pessah? L'événement de la fête de Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Mais c'est surtout la sortie de l'esclavage. C'est en vérité devenir des Bene Chorim, c'est-à-dire des hommes et des femmes libres. C'est ça, la lumière de Pessah. La lumière de Pessah, c'est devenir, chacun d'entre nous, des hommes et des femmes libres. Vous allez me dire, mais libres de quoi? On n'a pas d'Égypte aujourd'hui, on n'est pas esclaves, en tout cas on n'a pas l'air, et on n'est pas enchaîné, en tout cas, c'est sûr. Mais il semblerait, explique Rabbi Nachman de Breslev, que oui, on est esclaves de quelque chose, et oui, on a besoin de cette fête pour se libérer de cet esclavage-là.
C'est quoi l'esclavage du peuple d'Israël et de façon générale de tous les peuples en vérité aujourd'hui? C'est dit Rabbi Nachman de Breslev, et c'est rapporté dans l'Écoute à la Prod par Rabbi Nathan, que l'homme est esclave de ses ta'avot, de ses désirs, et de ses midot ra'ot, et de ses mauvais traits de caractère. Un homme, en réalité, il ne veut pas être quelqu'un qui est jaloux, ou quelqu'un qui envie les autres, ou qui se met en colère, ou qui insulte. Il n'a pas envie de ça. Lui-même, quand il se voit, il se voit, presque il se déteste, dans le sens qu'il déteste ce trait de caractère-là. Il n'a pas envie que ce soit, que ça fasse partie de lui. Mais il subit, il n'est pas capable de se contrôler. Il n'est pas capable de contrôler. Il n'y a pas de contrôle sur lui-même. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met en colère, ou il jalouse l'autre, ou il veut lui prendre, ou il vole la chas v'shalom, ou il triche. Mais c'est pas lui, il veut pas faire ça. Bon, véritablement, il aimerait être un tzaddik. Tout le monde, qui voudrait pas être un tzaddik? Qui voudrait pas se sentir comme Baba Saleh ou comme Rabbi Nachman ou comme les grands tzaddikim? Qui voudrait pas se sentir proche de Dieu? Tout le monde voudrait. Mais la seule chose, c'est quoi? C'est que l'homme, il a des ta'avot et des midot ra'ot, et c'est même pas lui qui les a choisis, entre guillemets, parce qu'il est né avec. Ne croyez pas que c'est quelque chose qu'un homme, il choisit. Il dit, je veux être quelqu'un de jaloux, ou je veux être quelqu'un de coléreux, ou je veux être quelqu'un de mauvais. Ça n'existe pas une chose pareille. La personne, elle subit, les événements de sa vie la font subir ce qui lui arrive. Donc qu'est-ce qui se passe, dit Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il explique qu'un homme, Hachem, il lui donne ses empêchements, ses difficultés, pour que ce soit, moi j'ai expliqué hier Shabbat, on a expliqué que c'était comme un exhausteur de goût. C'est-à-dire comme si tu mets du piquant dans un plat, tu vas tout de suite sortir le goût. Ça veut dire que Hachem, il met des choses qui ont l'air, a priori, à nos yeux mauvaises, des mauvais traits de caractère ou des ta'avot ou des désirs qui ne sont pas censés être ceux du peuple d'Israël, pour faire ressortir la force du peuple d'Israël qui combat ce désir-là ou qui combat ce trait de caractère-là. Et qui va à ce moment-là, en s'empêchant de faire ce que tout le monde aurait fait normalement, mais parce qu'il sait qu'il y a un Dieu, et il sait qu'il est juif, et il se bat contre lui-même, et des fois il n'arrive pas, et souvent il n'arrive pas, mais il y a des moments où il va arriver, et bien ça c'est un exhausteur de goût, ça va ressortir le bien qu'il y a en lui. Et c'est ça le but du mauvais, c'est de faire ressortir le bien, de forcer l'homme à ressortir le bien. Donc si on comprend ça maintenant, on va comprendre très simplement qu'en réalité, le soir de Pessah descend une lumière dans l'âme qui illumine l'âme de chaque juif. C'est écrit par exemple dans le Zohar HaKadosh que le soir de Pessah, on va commencer la Agada pa'alachma'anya, qui est de l'araméen. Oui, c'est un verset en araméen. Dit le Zohar, pourquoi est-ce que Chachamim, ils ont instauré de commencer la Agada en araméen? Pour rappeler à l'homme, dès le début de la Agada, dès le début du soir de Pessah, on veut rappeler absolument à l'homme que, comme on le sait, les anges ne comprennent pas l'araméen. Et donc, on veut rappeler à l'homme que ce n'est pas les anges, comme ça pourrait être le cas dans d'autres situations de la vie, ce n'est pas les anges qui vont venir récolter la mitzvah du soir de Pessah. C'est Hachem lui-même. De la même façon qu'il est descendu en Égypte pour sortir le peuple d'Israël au moment de Makat Bechorot, lui-même, Be'atzmo, Be'rvodo, comme on le dit dans la Haggadah, de la même façon, tous les soirs de Pessah, de toutes les années qui vont passer jusqu'à la venue du Mashiach, c'est Hachem lui-même qui descend. Et pas seulement il descend, le Zohar il dit, il rassemble tous les tzadikim du Gan Eden, il rassemble tous les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents de ceux qui sont en train de faire le Seder, il rassemble tous les anges, et il vient dire aux anges, écoutez comment, après 3000 ans d'exil, le peuple d'Israël, mon peuple, il continue à croire en moi, il continue à s'astreindre de manger du pain, pas pour une raison qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas de raison de le faire, ils ont pas de sens particulier à le faire, et ils continuent à croire en moi, ils continuent à vouloir faire quelque chose qui a aucun sens, c'est s'astreindre de manger du pain pendant une semaine, si c'était pas écrit dans la Torah, ça ferait aucun sens. Pourquoi la veille de Pessah t'as le droit, pourquoi le lendemain de Pessah t'as le droit et la fête de Pessah t'as pas le droit? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? En fait, c'est la question, elle est à l'envers, dit Rabbi Nathan. Il dit, la raison pour laquelle on a le droit de manger du pain le reste de l'année, c'est parce qu'on fait Pessah. C'est parce qu'il y a une semaine où tu t'empêches, tu manges que de la matzah, ça c'est suffisant pour enlever le Yetzer Hara de tout le reste de l'année du pain qui devrait être ingéré. Donc c'est à l'envers, on ne comprend rien de ce qui se passe.
Et la plupart d'entre nous comprennent rien, et c'est presque bien, dans le sens que on le fait parce qu'on croit que Hachem, il c'est vrai ce qu'il dit. C'est quoi la émouna d'un juif finalement? La émouna d'un juif, c'est d'être sûr à 100% que s'il fait ce que Hachem lui demande, il va jamais perdre. C'est ça la émouna d'un juif. Qu'est-ce qui vous réalisez? Je sais pas si vous avez déjà vu dans certaines familles, il y a différents types de gens, on va dire, de gens religieux, ouais. Il y a celui qui est, on va dire, qui est très makpid, qui est très religieux. J'aime pas ce mot religieux, mais qui fait très attention aux mitzvot, on va dire ça comme ça. Alors lui, il s'est préparé son kazaït de matzah dans un petit sac. Il s'est préparé son kazaït de maror, de laitue dans un petit sac. Il s'est préparé sa charoset, etc. Et si maintenant, et lui, il le fait pour tout le monde, parce que lui, il veut que tout le monde y participe. Ouais, les quatre enfants à la table de Pessah doivent participer à ça. Mais les gens qui sont pas habitués, disent, mais quoi? Tu m'as préparé 30 grammes exactement, tu as pesé avant Pessah 30 grammes? Mais pourquoi? Est-ce que ça change quelque chose pour Dieu? Est-ce que ça change quelque chose pour Dieu, 28 grammes ou 27 grammes ou 26 grammes? Qu'est-ce que ça change pour lui de toute façon? Pourquoi 30 grammes? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait exactement? Et là, je vais vous rapporter une histoire pour comprendre ce que ça fait. Et je pense que si on a compris ça, on a compris beaucoup de la fête de Pessah, parce que on voit que la fête de Pessah, elle est rythmée par un seder. D'ailleurs, le terme, on appelle le premier soir de Pessah le soir du seder. Pourquoi? Parce que, dit Rabbi Nachman, celui qui va faire attention à tout le seder, c'est-à-dire il va respecter tout le seder de Pessah, eh bien, on va lui donner la siyata d'Ishmaïa, c'est-à-dire de l'aide divine pendant tout le reste de l'année, pour qu'il réussisse à mettre du seder dans sa vie. Et vous savez que surtout dans la génération, la chose la plus difficile et ce qui nous rend le plus fou, c'est qu'on a des journées superbes et des journées catastrophiques. Et des journées où on arrive à faire tout et des journées où on n'arrive à faire rien. Et on est tout le temps en haut et en bas, et c'est fou et on n'arrive plus à mettre du seder. Et dit Rabbi Nachman, Hachem, il te dit, moi je vais t'aider à mettre du seder si toi tu m'as respecté une seule nuit. La nuit de Pessah, tu as mis du seder dans cette nuit-là. Moi, toute l'année, je vais essayer de t'aider à mettre du seder dans ta vie, dans ta parnassa, dans tes relations avec tes enfants, dans tes relations avec ta femme, dans les relations dans ton travail, dans toutes les choses, je vais essayer de t'aider à mettre du seder. Mais tout ce que tu as à faire, une nuit tu me donnes. Bon, deux nuits en fausse la règle, parce qu'ils reçoivent pas le or de cette lumière dont j'ai parlé, qu'explique Rabbi Nathan qu'on reçoit le soir de Pessah. Cette lumière, ils ne peuvent pas la recevoir en une seule fois. Ils ont besoin de deux soirs. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'âme catalysatrice finalement de cette lumière-là, qui reçoit cette lumière-là, quand on arrive en Eretz Israël, on le sait, pas du Zohar, le Zohar il dit que quelqu'un qui arrive en Eretz Israël, il reçoit une nouvelle âme. Il marque est-ce que c'est une nouvelle âme complètement ou c'est une nouvelle partie d'âme? En tout cas, dans les deux sens, il y a quelque chose qui change au moment où tu viens vivre en Eretz Israël. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est israélien, c'est-à-dire qui fait ses fêtes, qui vit en Israël, mais qui va par exemple faire Pessah à l'extérieur, ne va faire finalement qu'un soir, parce qu'il n'a pas besoin de ce deuxième soir pour recevoir cette lumière-là. Mais par contre, on le sait, l'Halakha le rappelle, on va lui demander de se cacher. Si jamais il va utiliser son téléphone le deuxième jour, etc., il va rester dans sa chambre fermée, ou il va mettre ses téfilines le deuxième jour, pas les téfilines, parce que Pessah, il n'y a pas de téfilines, mais en tout cas, il va faire des choses le deuxième jour qui ne serait pas caché. On va lui demander de se cacher. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait Maïtaïn, parce que qui sait si quelqu'un le voit, on ne sait pas lui, si tout le monde ne sait pas s'il habite en Israël ou pas. Donc on ne veut pas qu'il y ait un mauvais nom sur le peuple d'Israël. Donc on lui dit, si jamais tu respectes pas le deuxième soir, le deuxième jour, comme tout le reste du pays, parce que tu n'es pas en Eretz Israël, alors au moins fais-le de façon cachée. Ça, c'est la chose pour lui. Mais sinon, il faut comprendre qu'il y a cette lumière-là qui descend. Et c'est quoi cette lumière? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Alors c'est ça le secret de Pessah. Si vous avez compris, si vous avez entendu ça, mais pas compris, il n'y a rien à comprendre. Si vous avez entendu ça, vous allez changer votre vision de Pessah. La lumière qui descend le soir de Pessah, c'est une lumière libératrice. Elle est libératrice. Ça veut dire qu'elle veut vous rendre libre. C'est ça qui descend le soir de Pessah. C'est une lumière qui veut vous rendre libre. Libre de quoi? On a dit on n'est plus esclave de l'Égypte. Mais on est esclave de nous-mêmes, dans le sens pas nous-mêmes, mais de nos ta'avot, nos désirs, qui sont. Un homme, il voudrait ne pas être, je sais pas moi, quelqu'un qui a par exemple une ta'ava d'achila, de nourriture. Il voudrait être plus mince, il voudrait être plus en forme, ça lui touche la santé, etc. Il voudrait être capable de contrôler, mais c'est plus fort que lui. Il est sous l'emprise de la ta'ava. Il est esclave de cette ta'ava. Il y a une table devant lui, il a beau toute la journée se dire je vais pas manger, je vais pas manger, il arrive devant la table, il peut plus se contrôler.
Et c'est vrai pour ta avat niouf, c'est vrai pour ta avat de l'argent. Il y a des gens, ils cherchent l'argent, ils cherchent l'argent, ils n'arrêtent pas. Et ils sont pas capables de se contrôler. Et c'est pas parce que encore ils subissent. C'est pas, ne croyez pas qu'ils choisissent ça. Ils subissent ça. Il y a pas un juif qui voudrait pas être en vérité au fond de lui, être comme Baba Salé ou comme Rabbi Nachman. Il y a pas un juif qui voudrait pas être proche de Dieu et se sentir aimé de Dieu et voir Dieu et sentir Dieu toute la journée. Il y a pas un juif qui voudrait pas ça. Ça n'existe pas, mais parce que la Tava, elle est là, elle est présente. Et c'est même pas lui qui l'a choisi, c'est Hachem qui l'a mis en lui pour qu'il combatte cette Tava-là et qui réussisse à la surmonter. Simplement à cause de ça, il est capable de se. Finalement, il est face à cet esclavage-là. Donc, dit Rabbi Nachman de Breslev quelque chose d'extraordinaire. Il dit Hachem, il fait descendre dans l'âme de chaque juif, le soir de Pessah, une lumière qui peut le faire sortir de cet avod et de son esclavage. De son esclavage à lui, prati à lui, que Hachem et lui, ils savent exactement c'est quoi. Vraiment, que lui, il sait qu'il n'y arrive pas, et Hachem, il peut lui faire descendre ça. Mais il y a une condition, il y a des conditions, mais il y a une condition à ça, c'est qu'il soit capable de la recevoir, cette lumière-là. Et pour la recevoir, alors je vais vous expliquer, je vais vous donner l'exemple, je vais revenir à cette question de celui qui essaye de faire les mitzvot le mieux possible et qui se retrouve avec son sac de 30 grammes. Et que l'autre est en face de lui, il dit, mais sérieux, tu es sérieux? Tu as vraiment perdu 10-15 minutes de ta journée à peser 30 grammes? Et c'est quoi 28, c'est quoi 27? Et bien, la différence, elle est très belle. C'est une histoire qu'on m'a racontée il y a déjà assez de temps et qui s'est passée il y a environ une quinzaine d'années. À l'époque, il y avait un rave très connu dans le milieu anglophone et qui habitait en Australie. Et il recevait de partout dans le monde, dans le milieu anglophone, il recevait des questions. Et par mail, il répondait par mail comme ça. C'était à l'époque, au début de l'Internet, etc. Il recevait comme ça. Il a reçu un jour une question d'un homme qui était dati, qui respectait Shabbat, qui respectait les fêtes, etc. Il avait grandi dans une famille qui respectait les grands principes de la Torah, on va dire. Et puis, il lui envoie une question, lui dit, Kvod Arav, monsieur le Rav, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas et j'ai besoin de comprendre, ça me dérange. Je comprends Hachem, il nous demande de respecter nos parents, il nous demande de ne pas voler, il nous demande de ne pas tricher. Mais qu'est-ce que ça fait à Hachem si je mets ma chaussure droite avant ma chaussure gauche? Qu'est-ce que ça fait à Hachem si je mange moins que kazaït de matzah le soir de Pessah? Qu'est-ce que ça fait à Hachem? Qu'est-ce que ça change pour lui? Alors, une semaine passe, 2 semaines, 3 passent, 3 semaines passent, 1 mois passe, 2 mois passent. Au bout de 2 mois, il reçoit toujours pas de réponse. Bon, il dit, je vais renvoyer un message au Rav. Peut-être il n'a pas reçu, peut-être. Alors il envoie un message, il dit, je ne comprends pas, je vous ai posé une question il y a 2 mois, j'ai pas reçu de réponse. Alors le Rav, à ce moment-là, il lui répond, il lui dit comme ça. Il dit, oh, je suis vraiment désolé. Je vous ai répondu, mais dans votre adresse mail, j'ai oublié le point. J'ai oublié le point. Datcom, le point, je l'ai oublié. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Et je viens de réaliser, maintenant je vous réponds. Il répond pas à la question. Juste, il répond ça. Et à ce moment-là, alors il lui dit, alors l'autre il lui renvoie, mais c'est quoi la réponse à la question? Il dit, ben la réponse, elle est dans mon premier mail. Alors il lui explique, il lui dit, vous voyez bien que dans notre monde, c'est comme ça. Dans notre monde, si on veut envoyer un message à quelqu'un, aujourd'hui, via Internet, on a besoin d'avoir l'adresse exacte. S'il y a une lettre qui manque, s'il y a un point qui manque, l'adresse, ça n'arrivera pas. Si je veux faire un transfert bancaire, ça touche encore plus les gens. Si je veux faire un transfert bancaire et vous me donnez vos coordonnées, et vous me donnez vos coordonnées bancaires, et si moi je change un chiffre à votre compte, eh ben ça va aller chez quelqu'un d'autre, ça va pas aller chez vous. Ou bien ça ira pas du tout, parce qu'il y a au moins une erreur. Donc ils vont pas accepter le transfert. Eh ben il a expliqué ce rap. Et le Rav Pinkus, il ramène cette même idée. Le Rav Pinkus, il ramène la même idée sur les mitzvot. Il dit, Hachem, il ne nous a pas donné les mitzvot pour lui. Il a donné les mitzvot pour nous. Les mitzvot, en réalité, c'est comme si vous prenez maintenant ici, vous avez un interrupteur et vous voulez allumer la lumière. Eh bien, il faut appuyer sur l'interrupteur pour que ça envoie. Il faut qu'il ait les bons fils avec les bonnes connexions, que le plus il soit au bon endroit et le moins au bon endroit pour que ça allume la lumière. Il dit, c'est la même chose, une mitzvah. Une mitzvah, elle a pour but d'allumer une partie de ton âme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il sait que, par exemple, les téphilines, si quand on va les mettre exactement au-dessus
de la ligne des cheveux, exactement au milieu entre les deux yeux, ça va activer une partie de ton âme, ça va illuminer, ça va nourrir une partie de ton âme. Et ça, tu vas le ressentir, ça va faire un changement chez toi. Et si tu vois des gens qui te disent, ça fait 20, 30 ans, 40 ans que je fais de la Torah et je ne sens pas que j'ai changé, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur mitzvot. Ils ne sont pas makpidim sur les mitzvot. Ils ne les font pas comme ils devraient les faire. Et le Netzera, ce n'est pas eux qui font exprès. Vous n'avez jamais remarqué, les gens, ils sont prêts à nettoyer leur maison et à nettoyer les lustres, etc. Alors que ce n'est même pas du Hametz, c'est de la poussière. Hein. Il n'y a pas de Hametz là-bas. Les lustres, ils deviennent fous. Moi, j'ai fait des courses aujourd'hui avec ma femme. Les gens, ils étaient prêts à se battre. Parce qu'il y avait tellement de gens sur la ligne, les gens ils deviennent fous. Pourquoi? Parce qu'ils oublient l'essence de la chose. Ils ont gardé l'enveloppe, et c'est pas une critique, c'est le Sérara, c'est l'exil depuis tellement d'années qui nous a fait ça. On se retrouve à avoir gardé l'enveloppe et l'essence de la chose. Pourquoi la fête de Pessah elle est là? Ils l'ont complètement, ils l'ont zappé. Et la plupart des gens, et je vous dis, de connus, de gens que j'entends, qui viennent me voir après la fête, la plupart des gens, ils vont se retrouver le soir de Pessah fatigués, crevés, énervés, parce que l'Etzirah, il aura fait son travail, lui, il est là pour ça. Et ils vont pas recevoir le or qu'ils étaient censés recevoir. Alors qu'ils ont essayé le maximum qu'ils ont pu. C'est pour ça que Rabbeinu, il était makpid de ne pas être makpid dans Pessah. Il faisait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire il faut se débarrasser de son chametz, qui est du chametz gamour. Il faut se libérer de ça, le jeter ou le brûler le matin de Pessah. Ça, c'est une chose à faire. Il faut nettoyer ses comptoirs, c'est normal, faire la hagala des choses qui ont besoin, avoir un service de Pessah, des ustensiles de Pessah, c'est déjà beaucoup. Je dis pas que c'est facile, mais les gens ils s'en rajoutent, ils s'en rajoutent, ils s'en rajoutent, ils réalisent pas que en rajoutant dans la partie permise, j'ai envie de dire, dans la partie qu'ils auraient pu éviter, et bien dans l'essentialité de la fête, ils perdent de cette essentialité-là. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la fête, c'est d'arriver Simcha le soir de Pessah, d'arriver de ressentir que Hachem il descend dans chaque maison où il y a un seder, et de ressentir et de l'accueillir avec joie et avec plaisir, et de raconter ses louanges, et de recevoir par le fait qu'on a fait le seder comme il faut, c'est-à-dire d'avoir mangé les quatre casétotes de matzah, deux pour motzi matzah, un pour le korer et un pour la ficomane. Il y en a qui font même deux pour la ficomane parce que la ficomane rappelle le korban pessah qu'on mangeait en dessert à l'époque du Beth Amikdash et on le mangeait aussi avec de la matzah. Comme on n'a plus de korban pessah, on l'a remplacé par la ficomane qui est aussi de la matzah. Donc c'est deux casétotes, donc cinq casétotes. Et tout celui qui ajoute dans cette mitzvah-là le soir de pessah et qui va manger encore plus de matzah le soir de pessah, c'est une mitzvah de la Torah, la matzah, et en particulier la matzah shurua, le soir de pessah. Donc quelqu'un qui va manger le maximum et qui au contraire ne se sera pas cassé la tête tellement et devenu fou pour préparer un gros repas parce que justement il faut manger le maximum de matzah. Si vous mangez du matzah les lachar roset pendant Pessah parce que vous savez que la matzah le dit Rabbi Nachman c'est tikkun habrit le soir de Pessah, ça metaken la brite de l'homme ou de la femme d'ailleurs parce que c'est lié les deux ensemble, c'est metaken la brite pour toute l'année. Plus vous mangez de la matzah mieux c'est, plus vous mangez de lachar roset qui est censé normalement rappeler le mortier qu'on a mis dans les briques, mais c'est beaucoup plus profond, dit Rabbi Nachman. La charoset, c'est fait d'éléments différents qui viennent nourrir la matzah. Et ça, c'est équivalent, dit Rabbi Nathan, au tikkun haklali. C'est autant de charoset que vous mangez, autant de tikkun haklali que vous êtes en train de faire. Vous imaginez, il y a des choses, il y a des secrets, on va un peu toucher les secrets de Pessah, mais je veux d'abord donner véritablement et fortement. Malgré qu'on a été recadré ici, je vous ai recadré ici de dernière minute, mais c'est parce que je tenais à ce qu'on reprenne le chiron ensemble. Et mamache, il faut comprendre cette idée-là, que les gens, pas de façon générale, et pas parce qu'ils veulent faire ça, mais ils se perdent dans la technicalité. Et c'est pas qu'il faut pas faire, il faut être macpide sur les choses qui sont importantes, mais il faut savoir ce qui est important et ce qui l'est un peu moins. Il faut lécher du loup sur ce qui est un peu moins et être capable de rentrer dans ça. Maintenant, dans toute l'idée qu'on a passée ensemble, il faut comprendre que le or, cette lumière importante qu'on doit recevoir le soir de Pessah, c'est une lumière de libération. Donc plus on va être capable Plus on va être capable d'être heureux le soir de Pessah, d'être reposé le soir de Pessah, d'avoir préparé
des midrashim, c'est-à-dire des histoires sur comment s'est passée la fête de Pessah, surtout pour les enfants, et qui s'écrit dans le Zohar, que ce que vous pouvez faire passer à vos enfants comme émouna, comme foi en Dieu, le soir de Pessah, même si vous prenez votre enfant du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour avant Pessah, et tous les jours vous lui rabâchez toute la journée, combien c'est important la Emouna, et combien c'est important Dieu, et combien il est grand Dieu, etc. Vous n'arriverez pas, dit le Zohar, à faire ce que vous êtes capable de faire si vous faites correctement les choses le soir de Pessah. Vous imaginez ce que le Zohar est en train de nous dire ici? Vous comprenez ce qu'il est en train de nous dire? C'est qu'il y a une aide divine. Hachem, il est présent. Il est là. Il veut entendre, pas pour lui, mais pour nous, pour être capable, nous, de faire les choses correctement. Alors, si on est capable de faire le seder comme il faut, c'est-à-dire de prendre les bonnes portions, on va commencer, comme on le sait, par le kiddush. Le kiddush, c'est Mekadesh la fête. C'est quoi être Mekadesh la fête? C'est la rendre sainte. Mais elle est déjà sainte, vous allez me dire. Alors, on apprend dans Maseret Nida que Mekadesh, ça vient définir les choses et ça vient séparer. Que par exemple, quand un homme il prend une femme, elle est Mekoudeshet. Ça veut dire quoi qu'elle est Mekoudeshet? Ça veut dire qu'elle est séparée des autres hommes. Elle appartient maintenant à un seul homme. Pour le reste de sa vie, en tout cas tant qu'elle est mariée, elle est mariée avec cet homme-là. Et bien, la même chose lorsqu'on va faire le Kiddush le soir de Pessah, on va rentrer. C'est le seul soir où on fait le Hallel. On fait le Hallel Gamour, on fait le Hallel complet. Parce qu'on va louanger Hachem. Hachem est présent dans chaque maison qui veut l'accueillir. Bien sûr, celui qui ne veut pas l'accueillir, il est aussi présent. Mais malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué. Mais tout celui qui veut l'accueillir, qui s'est efforcé d'avoir une maison où autant elle est cachère techniquement, autant elle est cachère spirituellement. Autant il y a eu, eu j'ai envie de dire, pas des cris et des disputes, comme c'est tellement le cas avant Pessah, parce que le Yetzer Hara est tellement fort et que les gens tombent tellement facilement dans le Yetzer Hara de Pessah, à cause du stress et de l'angoisse et de la fatigue et de tout ce qui est entraîné par des choses qui malheureusement ne sont pas nécessaires. Le soir de Pessah, si vous avez une table où il n'y a que de la matzah, de la charotzeth et du maror, et du vin, vous avez fait votre Pessah, et de la meilleure façon qui soit, et des divrei Torah sur la sortie d'Égypte, et sur comment on est sorti d'Égypte, et comment se sont passées les plaies, et comment Hachem il est venu nous sauver, et comment il nous a sortis, etc. Juste si on a fait ça, on a tout fait. On a tout fait, on a inculqué exactement ce qu'il fallait, on a reçu la lumière qu'on devait recevoir. Cette lumière libératrice, qui est libératrice de complètement autre chose, qui est libératrice de nos ta'avot, qui est libératrice de notre esclavage personnel, de ce dont on est esclave. Et ça, c'est ce qu'aurait dit Rabbi Nathan, c'est complètement fou. C'est complètement fou de penser que finalement, Hachem, il a tellement de bonté envers nous qu'il est prêt à nous sauver de nous-mêmes. Mais c'est lui qui nous a donné cette avote-là. Mais qu'il est prêt à nous sauver de nous-mêmes. C'est notre tikkun, c'est notre réparation. C'est notre libération. Quelqu'un, il peut ne refuser. Si quelqu'un vient lui dire maintenant, tu sais quoi, tu seras plus coléreux, tu n'auras plus de tava sur rien dans ta vie, il va dire non, il va dire, mais moi, je vais être le plus heureux des hommes. Je vais me satisfaire de tout ce que j'ai. Je vais être heureux de tout ce que j'ai. Je vais plus être stressé, angoissé, touché par les réflexions ou les choses des gens. Ça va être extraordinaire. Ça va être une vie extraordinaire. Et ça, c'est ce que tu peux recevoir le soir de Pessah. Quelqu'un, il va dire non. Mais le Yetzer Hara, lui, il va dire non. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fait faire dans les courses, ça se dispute, ça s'énerve, ça se truc. Tu n'as pas ramené ça, tu as ramené ça, tu n'as pas nettoyé ça. Les gens, ils deviennent fous. Les gens deviennent fous. Alors que l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est recevoir le or, être capable de ne pas empêcher le or de descendre sur toi. La lumière de descendre sur toi, cette lumière de Pessah qui doit descendre. Et donc, tout l'aïnian, il est quoi? D'un côté, il faut être makpid sur l'essentiel, c'est-à-dire il faut être rigoureux sur l'essentiel, qui s'appelle avoir les kazetot de matzah, parce que c'est ça que Chachamim, ils ont dit, il faut manger au minimum 4, 3, vraiment si on ne peut pas, mais 4 kazetot de matzah le soir de Pessah. Et ensuite de ça, il faut faire le seder comme il faut. On va d'abord faire le kiddush, comme on est Mekadesh la fête, c'est-à-dire on la sépare, on montre à Hachem qu'on est en train de séparer la fête du reste de l'année. Maintenant, c'est comme on fait pour le Shabbat, comme on fait pour les autres fêtes d'ailleurs. On Mekadesh, ça veut dire on le sépare du reste de l'année. Ensuite, on va faire Netilat Yadayim. Pourquoi sans bracha? Parce que normalement, on va apprendre une halakha à nos enfants. Comme ma femme me disait hier dans le shiur, elle disait, on commence par dire vrai halakha. Hachem, il te montre, tu sais, tu veux que ton fils, il ait du seder dans la vie, tu veux qu'il réussisse
à ne pas se faire emporter par les flots de la vie, apprends-lui la halakha. La première chose qu'on veut, c'est susciter l'enfant à dire, mais papa, pourquoi est-ce qu'on fait Netilat Yadayim sans bracha? Et là, tu lui apprends que lorsque tu trempes un aliment dans un des sept liquides que sont l'eau, le lait, etc., les sept liquides qui sont rapportés dans la halakha, le sang, mais on ne rentre plus dans le sang, etc., etc. Alors, à ce moment-là, tu lui apprends une halakha, tu transmets, tu viens te créer un lien indéfectible, éternel avec ton fils. C'est écrit dans la Gemara que deux amis doivent se quitter avec une parole de halakha. Pourquoi? Alors, la Gemara dit pour pas s'oublier. Et la Gemara demande, est-ce que c'est pour pas s'oublier l'un de l'autre ou pour pas oublier la halakha? Et la Gemara répond les deux. Le fait qu'ils se sont dit une halakha en se quittant, d'un côté, ils vont pas oublier la halakha, et de l'autre côté, ils vont pas s'oublier eux-mêmes. Parce qu'ils ont créé un lien éternel qui s'appelle la Torah entre eux. Donc, tu viens de créer, lorsque tu as enseigné cette petite halakha à ton fils au moment de tremper le carpas, qui d'ailleurs, il y a énormément de sodotes dans le carpas, énormément de secrets. Premièrement, il faut comprendre que toute la Kehara, tout le plateau de Pessah représente les 10 sphirotes. Vous allez voir qu'il y a 7 compartiments dans le plateau lui-même, plus les 3 matzot qui sont superposés sur le plateau de Pessah, les 3 matzot qui correspondent à Chochma, Bina et Da'at, et ensuite chaque compartiment, il faut bien suivre, comme le dit le Harizal, les bons compartiments, parce que chaque élément correspond à une sphira. Une sphira, c'est une sorte de monde qui est dans les mondes supérieurs, c'est compartimenté en sphirotes. Et c'est comme ça que la lumière de Dieu descend dans le monde. Et donc on vient, et c'est la raison pour laquelle les gens y croient que peut-être c'est un minhag comme ça, stam, mais c'est la raison pour laquelle les Marocains, les Tunisiens, même les Algériens, je pense, ils ont ce minhag-là de faire bibilouya ou etmol, selon en fonction de qui et de d'où on vient, de dire une phrase et de tourner autour de la tête de chacun et de taper sur la tête. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Un vrai minhag, il a une source de Torah. Et vous savez, c'est quoi la source? La source, elle est ésotérique. C'est qu'en vérité, on veut, le soir de Pessah, que les 10 sphirotes descendent à l'intérieur des mochines, ce qu'on appelle la partie du cerveau, les mochines de l'individu. On veut que dans tes enfants, il y ait des nouvelles mochines. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un homme, il est esclave de sa tahava? C'est ici que ça se passe. Il n'est pas capable son cerveau n'est pas capable de contrôler son cœur qui s'en va vers le désir. Donc en réalité, qu'est-ce que... Vous comprenez? Vous suivez ce que je veux dire? Donc en réalité, le principe, il est quoi? Il est qu'on veut changer les mochines de la personne. Donc on veut faire descendre les 10 sphirotes et on tape un petit peu, on fait pas mal à la personne, mais on tape un petit peu sur la tête de la personne pour qu'elle reçoive de ça. Alors vous pouvez croire ou ne pas croire ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est écrit dans les Sfarim HaKadoshim. Mais c'est ça la Emouna, c'est de croire que oui, en faisant des actions physiques, on allume des interrupteurs spirituels. C'est ça le principe de la mitzvah. Le principe de la mitzvah, c'est d'appuyer sur quelque chose de physique et de toucher un élément spirituel, d'allumer un élément spirituel à l'intérieur de ton âme, de réparer un élément spirituel à l'intérieur de ton âme. Et si tu le fais, le problème, c'est que si tu le fais pas correctement, alors soit c'est pas le bon interrupteur, soit les fils sont pas connectés, soit la bande passante ne marche pas. Mais c'est ça le problème, c'est que si ça passera pas correctement. Et c'est pour ça tout le principe d'être extrêmement pointilleux dans l'accomplissement des mitzvot le plus qu'on peut, mais sans perdre de la simcha. Et surtout, ne pas justifier. Le Yetzera, il est très fort pour te faire croire que c'est une mitzvah, alors que finalement, ce n'était pas une mitzvah. Parce que acheter une tonne de choses pour Pessah, ce n'est pas une mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah, je suis désolé, ce n'est pas une mitzvah d'acheter une tonne de choses pour Pessah. C'est une mitzvah de manger kasher pendant Pessah. Kasher, ça veut dire pas de chametz. Okay? Donc on achète, de pas acheter du chametz, de ne pas manger du chametz, c'est une mitzvah. Mais d'acheter du kasher à outrance, ce n'est pas une mitzvah. De préparer, de se tuer à préparer un repas, alors que la mitzvah, elle est de manger la matzah et la charoset et un peu de maror. Et de le faire à chaque fois selon les bons critères, c'est-à-dire toutes les matzot qu'on va manger, on va les manger accoudées. Ça aussi, ça fait partie de l'interrupteur qu'on allume. On va les regarder parce qu'on se considère, pas on se considère, on demande à Hachem de nous considérer comme des hommes libres. Et ça va participer à la libération dont on a parlé tout à l'heure. Qu'on se libère de nos ta'avot, qu'on se libère de notre exil personnel, de notre esclavage personnel, qui est nos mauvaises midot et nos ta'avot.
Quelqu'un, il va pas s'allonger. On lui dit, il faut que tu refasses. Je lui dis, mais pourquoi? Ça va, Hachem, ça ne te dérange pas. Que je me sois allongé ou pas, ça change rien. Je lui dis, non, mon grand, mais c'est pas pour Hachem, c'est pour toi. On veut te libérer, toi. Et tu comprends pas que le Tzéhara, il est en train de jouer avec toi. Tu t'es tué pendant Pessah, pendant 10 jours, 15 jours, 20 jours, à nettoyer tous les recoins de ta maison. Et quand il s'agit de peser 3 grammes, de peser 30 grammes de matzah, ça te gêne. Tu vois pas que c'est le Tzéhara qui fait ça. Tu vois pas que c'est le Tzéhara qui fait ça. Quand il s'agit de. Quand tu t'es tellement tué pour des choses pas qui servent à rien, mais tu aurais pu les faire une autre semaine si tu voulais. C'est pas le ménage du printemps, c'est le ménage de Pessah. C'est pas le ménage du printemps. À partir du moment où tu as identifié qu'est-ce qui est Hametz, tu l'as mis de côté et tu l'as vendu si jamais tu le gardes, pour X ou Y raison, et ça s'est discuté dans la halakha, et selon ce que votre rav vous dit, ça y est. Il faut nettoyer, utiliser des ustensiles qui sont cachés dans les Pessah. Si c'est les mêmes, si sont possibles que ce soit les mêmes, il faut les faire la gala. Ça, c'est normal, c'est la halakha. Mais à partir du moment où c'est fait, il faut se concentrer sur recevoir la lumière de Pessah. C'est ça le but, c'est ça ce que nous explique Rabbi Nathan. C'est que la Géoula, elle passe par la Géoula pratique, c'est ça. Et parce qu'on est maintenant tellement en exil depuis tellement d'années, on reste, c'est déjà bien, il nous reste au moins la technicalité. Mais sachez que grâce à cette technicalité-là, il y a plein de gens qui ont fait passer des messages extraordinaires à leurs enfants. Comme on l'a dit, au nom du Zohar. Mais c'est dommage de perdre. Et je le dis, je suis presque défaitiste parce que je sais que ça va arriver. Parce que je sais que le Tzéhara est très fort. Parce que je sais que les gens glissent dans le panneau. Et tout le monde, c'est la même chose. Et il va y avoir des disputes, il va y avoir des histoires. On va perdre de cette lumière-là. Mais c'est dommage, parce que les gens sont capables de recevoir véritablement cette lumière-là ce soir-là. Et simplement, s'ils sont heureux d'être présents à la table de Dieu, je ne sais pas si vous avez un plus bel invité que ça, c'est le Zohar HaKadosh qui vous dit qu'il est présent avec tous les tzadikim, avec tous vos ancêtres. Il est présent au-dessus de la table de Pessah, et il regarde combien vous êtes heureux. Et combien, vous imaginez la honte que doit avoir un grand-parent, un grand-père ou une grand-mère si jamais vous êtes en train de faire la gueule le soir de Pessah, et vous êtes en train de vous disputer à la table de Pessah, ou vous êtes en train de crier à la table de Pessah. Vous imaginez la honte qu'il doit ressentir si Dieu est présent et vous êtes en train de vous comporter comme ça. Donc je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, je dis ça pour nous motiver. Nous motiver à comprendre qu'est-ce qui est réellement vrai le jour de Pessah. Le jour de Pessah, autant on s'est préparé, il faut se préparer, il faut faire les choses comme il faut. On n'est pas en train de dire qu'on va manger dans des assiettes qui sont pas cachères les Pessah le soir de Pessah. Mais j'ai presque envie de vous dire, vaut mieux manger dans des assiettes chat peami, qu'on appelle, c'est-à-dire des belles assiettes mais qui sont jetables, et ne pas s'être tué à faire je ne sais pas quelle préparation particulière. Et il est préférable de manger de la matzah et de la charoset et de boire les 4 verres de vin et avec la quantité qu'il faut et allonger au moment qu'il faut, comme c'est écrit dans les dans les dans 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 dans, dans, les, dans les, la Gadot de Pessah, comme dans toutes les Gadot de Pessah, que d'avoir passé une journée entière à racheter toute la maison et à avoir acheté je sais pas combien de kilos de viande et combien de kilos de trucs. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Si vous êtes heureux et content malgré avec ça, tant mieux, faites-le. Il n'y a pas de problème. Je dis pas que c'est pas une interdiction que j'ai en train de parler. Mais juste remettez les choses en perspective. Et regardez simplement qu'est-ce qui vaut la peine et qu'est-ce qui ne vaut pas. Ce qui vaut la peine, c'est éternel. Ce qui ne vaut pas, c'est temporaire. La nourriture, à la fin de la journée, elle va partir là où elle va partir. Mais ce qui est éternel, c'est que la matzah, elle contient, nous dit Rabbi Nachman, de la emouna. Rabbi Nachman dit, pourquoi est-ce qu'on va au moment où on va faire Maguid, c'est-à-dire la période où on va raconter la Gada de Pessah, eh bien, on va découvrir la Kehara et on va parler avec la Kehara au centre. On va la remettre au centre de la table, dit Rabbi Nachman, parce que les paroles de emouna, de louange et de remerciement que tu dis d'Hachem ce soir-là, ils vont rentrer à l'intérieur de la matzah, et à ce moment-là, tu vas ingérer cette matzah-là, et cette matzah-là, ça va être comme de la manne. Comme de la manne. Elle va être ingérée, elle ne va pas, et elle va nourrir ton cerveau pour purifier tes mochines. Vous imaginez combien de sodotes il y a dans Pessah, combien de choses extraordinaires peuvent nous arriver si on est simplement prêt, prêt à recevoir, prêt à se préparer à recevoir. Et ça, c'est tout ce que Rabbi Nathan essaie de nous convaincre. Donc d'un côté,
il faut être Macpide sur les choses qui sont vraiment importantes. C'est-à-dire, comme on l'a expliqué encore plusieurs fois, faire les choses caseder, comme c'est écrit dans la... et se renseigner sur la meilleure façon de faire le caseder, comment manger les choses, combien, quelle quantité, préparer les quantités à l'avance, etc. Ça, c'est le plus important. C'est vrai que c'est important parce que c'est ça l'interrupteur qui va nous permettre d'allumer la lumière qui va descendre en nous. Mais ensuite, une fois que la lumière est allumée, il faut encore pouvoir la recevoir. Et pour pouvoir la recevoir, il ne faut pas être abîmé de colère, de jalousie, d'angoisse, de stress, de ressentiment envers son mari ou sa femme, d'angoisse envers ses enfants. C'est tout, c'est tout ce qu'on demande Dieu. Soyez mes enfants, vous êtes libres. Vous êtes en train de vous libérer et vous êtes en train de devenir fou. C'est quoi l'histoire? Comment ça marche? Et peut-être que, Bezrat Hashem, cette année, on sera libéré enfin de toutes nos ta'avot et de tous nos mauvaises midot. Et que enfin, Bezrat Hashem, on va recevoir ma chère Tzidkenu, mamash, comme des gens qui sont libres. Libres de toutes les... J'ai envie de dire la saleté, mais ce n'est pas péjoratif. C'est ce que Hashem, encore une fois, il met en nous pour qu'on exorcise, qu'on sorte de nous tout le bien qui est véritablement présent, qui est véritablement nous. Mais c'est ça tout le principe. Et donc, on a fait déjà plusieurs shiurim sur comment faire le seder de Pessah. Vous reverrez dans les années précédentes. Et comment faire le seder vraiment pas à pas. Et comment vraiment se préparer à l'avance et aller au mikvé avant l'entrée de la fête pour pouvoir être le plus pur pour les hommes, en tout cas pour être le plus pur, de faire la tfila avec simcha, surtout le hallel, parce que ça ouvre des portes extraordinaires à ce moment-là, vraiment des portes de tfila. Si un homme il veut recevoir de l'abondance, c'est ce soir-là. C'est écrit que la bracha que Yitzhak il a fait à Yaakov, oui exactement, que Yaakov a pris de Esav en vérité, eh bien, cette bracha-là, c'était le soir de Pessah. C'est pour ça qu'il est très très bon, une fois que le kiddush est fait, ou juste avant de faire le kiddush, de bénir ses enfants le soir de Pessah. C'est le soir où la bénédiction du peuple d'Israël, qui est la bénédiction de Yitzhak pour Yaakov, elle a eu lieu. Donc, vous allez rater ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas acheté suffisamment, on n'a pas fait ça, on n'a pas nettoyé ce coin-là. Fermez le coin, fermez la porte! Fermez la porte, vendez cette partie-là de l'appartement. Ça veut dire, c'est pour le soir de Pessah, ça veut comprendre ça, comprendre l'idée que mamash, il y a beaucoup plus grave et on est capable de recevoir. Il y a des gens, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui et qui malheureusement fréquente régulièrement les hôpitaux pour des maladies diverses et lui-même il me disait que les gens ils réalisent pas. Il réalise pas que être en santé, d'avoir des enfants en santé, de ne pas être obligé d'aller à l'hôpital pour des médicaments et pour des vérifications et pour des tests tous les jours, mais vous réalisez pas quelle chance. Et ceux qui y sont, ils donneraient tout pour être libérés de ça, de ce rôle-là, pour pouvoir faire les kniot de Pessah, pour pouvoir faire le soir de Pessah comme il faut, pour pouvoir recevoir cette lumière qui te libère, comme on a expliqué sur, au nom de Rabbi Nathan, de tes ta'avot et de tes midot ra'ot, pour pouvoir faire ça. Et toi, tu t'embarques dans des bêtises, des détails, dans les choses qui ne valent pas la peine, alors que les vrais détails, là où il faut mettre ton énergie, c'est dans les kazetot, dans la mesure exacte de ce que tu dois manger, dans qu'est-ce que tu dois manger, dans quel ordre tu dois le manger, qu'est-ce que tu dois dire, comment tu dois parler. Le soir de Pessah, il y a Dieu qui est là présent, c'est ça, c'est lui ton invité. C'est lui ton invité. Et tu te comportes comme s'il n'était pas là. Il n'y a pas une plus grande boucha que ça pour un homme. Il n'y a pas une plus grande honte pour ça que ça pour un homme. Voilà, c'est ce que je vous souhaite à tous, vraiment. Un Pessah, quand on dit kasher ve sameach, c'est vraiment ça, kasher dans la matérialité. Vous avez fait ce qu'il fallait, pas plus, ce qu'il fallait pour que votre maison elle soit kasher, les Pessah, c'est-à-dire que les comptoirs soient nettoyés de tout hametz, que les armoires soient nettoyées, s'ils ne sont pas nettoyés, qu'elles soient fermées avec écrit Pessah dessus, avec écrit ici, que c'est pas kasher pour la qui c'est hametz dessus, et que vous avez fait, ça c'est la partie technique, c'est le kasher, c'est vrai. On souhaite à tous que leur Pessah soit kasher, parce que c'est la base de la réception, c'est le fait d'allumer, c'est ce qu'on a expliqué, c'est on allume l'interrupteur, mais une fois que la lumière elle est là, pourquoi s'empêcher de la recevoir? Et ça, c'est la partie sa meilleure. C'est la partie d'être heureux. Et pour être heureux,
il faut apprécier, il faut être capable de valoriser ce qu'on a. On est en santé, on est autour d'une table avec nos enfants, pour ceux qui ont leurs enfants. Je vous dis, ceux qui, malheureusement, pour X raisons, des divorces, etc., n'ont pas leurs enfants autour de la table. Ils rêveraient de ce soir-là d'avoir leurs enfants. Non, on les a, nos enfants, autour de la table. On va pas s'en occuper, on va pas leur parler, on va pas leur raconter. On a la mitzvah. C'est écrit dans la halakha que celui qui est tout seul, il est obligé de se raconter à lui-même. Vous savez quelle tristesse de se raconter à soi-même. Et même lui, il doit trouver la joie dans ça. Mais vous avez des enfants qui sont là, qui sont présents. Vous avez une femme, vous avez un mari, qui sont présents avec vous le soir de Pessah, qui reçoivent Hachem, la Shrina avec vous. Et vous allez vous accrocher. Parce que tous les ans, ça arrive. Tous les ans, j'ai des histoires on me raconte. Et c'est même des gens très proches. Et tu te dis, mais tous les ans, vous allez vous accrocher. Tous les ans, vous allez parler de bêtises le soir de Pessah. Est-ce que si vous avez le Melech Malchem Elrim à votre table, vous allez parler de qu'est-ce qui lui est, quelle nouvelle voiture il a acheté celui-là, et quelle maison il a fait celui-là, et que des fois c'est même pas des non-juifs, lui, en politique, ils ont sorti telle loi. Mais c'est le soir de Pessah. C'est le soir où vous pouvez, grâce à la lumière que Hachem veut mettre en vous, vous libérer de toutes vos tavot, de tous vos mauvais désirs, de tout votre esclavage. Vous pouvez être libre ce soir-là. C'est qu'un homme, il est enfermé, on lui dit, tu sais quoi, on t'ouvre la porte un soir, et qu'est-ce qu'il fait? Il reste à l'intérieur de la prison, c'est ça qu'il fait. Est-ce que c'est intelligent? Vous trouvez cet homme-là intelligent? Vous respectez cet homme-là? Vous l'admirez, cet homme-là? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc voilà toute l'idée. L'idée, c'est d'être kasher, c'est-à-dire faire ce qu'il faut jusqu'au soir de Pessah pour que la maison, les ustensiles et la nourriture qu'on va ingérer pendant cette semaine-là, ou en tout cas pendant le premier jour, après ça on va voir pour le reste de la semaine, mais pendant la semaine-là, va être kasher, c'est-à-dire sans chametz, sans ces cinq céréales qui ont fermenté pendant plus que 18 minutes, comme on le sait, c'est le strict minimum. Et puis d'un autre côté, on va avoir, être capable d'être joyeux de ce qu'on a, et d'apprécier ce qu'on a, et de remercier Dieu pour ce qu'on a, et de se libérer de toute cette lourdeur qui fait que c'est ça le vrai exil. Voilà, c'est ça le message, Baruch HaShem, qu'on a donné dans cette belle synagogue, Baruch HaShem. Et je vous dis, Pessah Kasher Vesameach à tous, Mamash, que du fond du cœur, que moi-même et que vous, on puisse recevoir cette lumière-là le plus possible, de la ressentir, cette lumière de libération, et qu'on se ressente libre le lendemain matin de cette soirée extraordinaire qui nous attend. Chazak u Baruch et Mamash, Pessah Kasher Vesameach.